Vous êtes nombreux à nous suivre, messieurs et dames. Bienvenue. Ben toi, vous ne diffusez les gens. Mon boulot, le jeu, vous tout toi, qui la n'est loi. J'ai déjà chigé. On m'a mis à venir ça. Tout cas, c'est le jeu que je me disais. Le 13, on doit mouiller ça. Tout en 2023. Tout toi qui dit le tatou Peter Chibango ou tout toi le moyo. Chibango à qui je dis bonjour. Bonjour, madame. Evi Mwimbi. Je signale que monsieur Peter Chibango a tout du mulombo du radio télé environnement et conservation de la nature. Toi ambila ta tu chamushinga ntini mujiyeji. Sont les axes prioritaires qui s'y dégagent. Il faut dire madame que les états généraux de la communication toi ambani mapetangana avant menzeka mu le 23 ni le 24 janvier waji di mucha 2022. Avoma patula jila bwa kulongolo la ngenzelu wabuji kajiji bwa tujomba mbitupo biyatu bionso. Bwa radio communautaire mbikengelo kwa kuile malu malenga buji itabaja tujomba etu kujime ya Kongo. Kujika biji jifuchile jampetu kujimbula mataji. Mumwani jiija chije makumi ya bijini satu kako selu chije ngunichite majamu le 13 wa ngundu mwisatu wa 2023 jijija kuile jambu luishi jatu jomba kujimbula mataji. Lukwa abulu seka, lujibu wakuke peshe mushingu wa abitaji buwa tu jomba tu abisumbu ani communautaire. Alors, monsieur Peter Chibango, quelle approche mettez-vous en œuvre? Nuenza nchini, mwanshiji mukilu, watu jomba tuenu. Oui, madame, pour nous de la Fédération tue de Radio... Tuetu, mundu mwachisumbu cha FRPC, tujituenze bionso buwani, tuenze la, pipeta, bitu jubapeta buwabijimbo la mataji mutulaya. Buwani, tujomba tuetu yukumpala. Buwabijibitangile bitaji, tujitulombo buwani, bumbushe bitaji bia aner. Nibashin tulula, jibeji ja mujimu, jivuanu ja tujomba, tuwa binji jimbi. Ni, benzela mujibeji jijijitangila, ni, amamalu a tujomba communautaire. Nijipa tulu ja mushindu wangenzelu, ujinicha kwambuluisha, bwa kwenzela malu mimpa mapatula mujiyeji, bwa buimpa bwa tujomba, tuwa fabuipi ni bantu. Que le gouvernement soutienne les radios de proximité. Cette campagne est réalisée dans le cadre du projet Renforcement de radio rurale en RDC 3R RDC, financé par la coopération suédoise et qui contribue au programme Media Sector Development Activity MSDA, financé par l'USAID, la coopération suédoise et la coopération suisse.